Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous reprends pas coiffée, mais maquillée. Hein. Je me suis déjà maquillée et je suis toujours en pyjama. Oui, bah voilà, c'est un concept. En fait, j'ai terminé de me maquiller et je me suis dit, bon, je vais ouvrir le vlog maintenant puisque Léo dort, donc je vais en profiter. Et vous voyez derrière moi, je voulais vous montrer les achats que j'ai faits en solde hier, puisque hier c'était le premier jour des soldes et que je suis allée à l'ouverture avec Nounou, donc. Et j'y suis restée 2 heures. Dès que j'ai vu qu'il y avait un peu trop de monde, je suis repartie. Bon, écoutez, au début, il n'y avait pas grand monde et puis d'un coup d'un seul, il y a eu genre la foule. Donc moi, j'ai été rapideuse faire un petit tour dans un centre commercial à côté de chez moi et j'ai trouvé plein de choses, d'où les sacs derrière. Plein de choses, oui, mais plein de choses pour l'abricot. Rien pour moi, si ce n'est mon shampoing Furterraire, mais ça fait pas partie forcément des soldes. Donc du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer. Je vous ai déjà montré ça sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je comprends pas ce que vous faites. Pourquoi vous me suivez pas? Venez me suivre sur Instagram. Voilà, je vous ai montré sur Instagram, mais c'est vrai que sur Insta, dans les stories et tout, on voit pas forcément. Ça dure pas, ça dure que 24 heures. Donc celles et ceux qui les auront loupés, du coup, il y aura une petite séance de rattrapage tout de suite. Alors, je vais commencer avec du pareil au même. J'ai trouvé un seul truc. C'est un petit gilet comme ça, avec plein de motifs. Hein, vous allez voir, ça change de mes habitudes. Donc un petit gilet avec une fermeture et une petite capuche, comme ça, qui était soldé à moins 50. Je l'ai donc eu à 10 € et je l'ai pris en taille 9 mois. Voilà, je trouve ça avec mignon, avec un petit pantalon tout simple. Ça donne un petit peu de couleur, mais vous voyez, des jolies couleurs. Chez Orchestra, j'ai trouvé qu'un seul truc, c'est un petit pull comme ça. Vous verrez, en fait, j'ai fait clairement le plein pour, on va dire, la rentrée, quoi. Septembre, octobre, automne, hiver, parce que c'est ce qui me manquait. Le reste, pour l'été, j'avais ce qu'il faut, grosso modo, pour Léo. Donc voilà, je dis pas que je craquerai pas sur quelque chose pour l'été, mais en tout cas, voilà, j'avais ce qu'il me fallait. Donc j'ai pris un petit pull comme ça, un petit peu côtelé, rayé beige et blanc. Il était donc à moins 50, mais moi j'ai eu moins 30 de plus, vu que je fais partie du club. Donc je l'ai eu à 5 € et quelques, et je l'ai pris en taille 6 mois, parce qu'autant vous dire que vu la taille, il me paraît immense. Chez Okaidi, donc au Baby, j'ai acheté un petit gilet comme ça, trop chou, genre j'adore. Je l'avais repéré en fait avant les soldes. Il y a une petite coudière là, il y a un petit liseré blanc sur le bout des manches et en bas du gilet. Un petit gilet à petit bouton comme ça, que je trouve trop chou d'amour. Il est camel, il est très bien. Pareil, il était à moins 50 et je l'ai eu donc à 7 €. Et j'ai pris pareil à moins 50 et au prix du coup de 7 €. Un petit gilet comme ça à rayures avec une petite fermeture et une capuche. Donc voilà, autant vous dire que c'est mignon tout plein. Je vois que j'ai plus de batterie alors qu'il y a 2 secondes j'en avais 15%, je comprends pas. Bon bah écoutez, je vais m'habiller. Je vais mettre en attendant l'appareil à charger, je vous reprends après. Bon bah voilà, je vous reprends habillée, sachant qu'entre temps l'abricot s'est réveillé. Là il est en train de jouer dans son lit, je le regarde juste derrière, j'ai le petit écran où je le surveille. Du coup, je sais même plus où j'en étais, je vous ai présenté Okaidi, du pareil au même et Orchestra, et il reste Zara et H&M, là où j'ai fait clairement le plus gros craquage. Alors, on va commencer avec Zara. Chez Zara, je vais trouver un petit pull comme ça, hyper côtelé, beige, avec 3 petits boutons sur le devant. Il était soldé à 10 €, je l'ai pris en 9-12 mois. Je vais trouver un petit truc que j'avais repéré en fait déjà en ligne. Il était soldé à 4,99 € pour pas dire 5. En 3-6 mois, c'est un petit legging côtelé comme ça avec des petits lions et des petits lapins. Allez savoir pourquoi un lapin avec un lion. Mais je le trouve trop mignon et je sais que ça, Léo, il est trop bien là-dedans. Donc j'en voulais un. Et je l'ai pris en 3-6 mois parce que Zara d'une, sa taille grande. Donc je voulais qu'il le mette maintenant puisque ce n'est pas très épais. Donc pour l'hiver, ça sera un peu just. Je vais prendre également un petit legging comme ça. Pareil, soldé à 4,99 €. Marinière avec une fausse poche derrière, bon c'est un petit legging à rayures quoi. Un sweat comme ça à 6,99 € beige, tout simple, hein, tout ce qu'il y a de plus simple, en 9-12 mois. J'ai craqué pour cet hiver également sur cette salopette qui était à moins 50, donc ça la faisait à 13 €. Une salopette en velours comme ça, toute côtelée et doublée coton à l'intérieur. Je la trouve trop choupinette, elle est vraiment trop belle. Ou alors, il va être trop mignon là-dedans. Toujours chez Zara, j'ai adoré ce petit pantalon, ce petit jogging, legging, plutôt jogging. Donc beige avec des petites taches gris, kaki, je sais pas trop, plutôt gris. Avec un petit nœud sur le devant, je l'ai pris en 9-12 mois et il était à 6,99 €. J'ai également pris un petit pull comme ça. Alors ça, j'adore cette couleur, c'est du vert... vert de gris comme dans sa chambre en fait, et il y a écrit Green Today. Il était soldé à 6,99 €, pareil en 9-12 mois. Un petit gilet que j'ai pris, gilet pull plutôt, que je vais moi lui mettre en pull. Alors je n'avais pas vu au départ, il y a une étoile.
Je suis pas fan du tout de l'étoile en fait sur les vêtements pour enfants. Je trouve qu'on met des étoiles partout, ça me gonfle. Et moi je suis pas trop étoile. Voilà. Mais je l'avais pas vu dans le magasin. Donc autant vous dire que ça se voit pas beaucoup. Ça ressort vachement en caméra, j'ai l'impression. Il est donc gris, hyper épais, bien côtelé, avec toute une rangée de boutons sur le côté. C'est pourquoi je vous disais gilet, pull, parce que vous pouvez les enlever et le mettre en gilet. Et inversement, le mettre en pull. Il était à 10€ celui-ci. Et pour finir, au rayon fille, mais. Je vois pas pourquoi au rayon fille. Un petit pull beige comme ça avec plein de boutons sur l'arrière. Tadam ! Plein de petits boutons tout le long. Moi j'ai un petit pull comme ça aussi. Ça serait rigolo, on le mettra en même temps. Il était soldé à 7€. Donc voilà pour Zara. Maintenant pour H&M. Là aussi j'ai Krakos. Alors je commence avec un lot de paires de chaussettes. Voilà, il y en avait 5 et j'ai payé le lot 2,99€. Je vais trouver un petit pantalon comme ça. Ça fait longtemps que ce motif existe. Hein. Je pense que vous l'avez vu, revu et re-revu. Et il me faisait de l'œil depuis un moment. C'est du 6-9 mois et il est très large. C'est un peu comme un sarouel entre guillemets. Je l'ai payé 4,99€. Un petit pull comme ça, je vous ai dit, hein, il n'avait pas de pull et tout. Donc je l'ai pris en 4-6 mois parce que bah pareil, H&M, genre c'est méga grand. En fait, il faut regarder normalement la taille. Donc là, je lui ai pris 68, c'est sa taille actuelle, mais ça me paraît quand même méga grand. Je l'ai payé 3,99€, il était bien soldé celui-ci. Il y avait un lot de deux t-shirts donc qui étaient présentés comme ça en fait. Sauf que je n'avais pas vu, sur le deuxième il y a écrit ciao, salut, hello. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais écoutez, ça fera un change. J'ai payé 2,99€ le lot, donc ça vaut le coup. Pareil, ça me paraît giga, méga, ultra, giga grand. C'est donc en taille 80, je l'ai payé 2,99€, c'est un petit jogging à rayures comme ça. J'ai pris un petit body comme ça avec des petites têtes de lion, regardez-moi ça, si ça c'est pas la mignonnerie. Je l'ai payé 2,99€, pareil 2,99€, un petit body à rayures comme ça que j'ai pris en 6-9 mois. Voilà pour ce qui est des magasins physiques, j'ai également craqué sur La Redoute. Pour ce qui est de La Redoute, je vais pas vous montrer les pièces comme ça puisque je les ai pas encore reçues. Je les reçois normalement demain, ça a été ultra rapide, j'ai passé ma commande mercredi matin et vendredi je les aurai. Je vous mettrai des imprimés écran de ce, enfin des petites photos de ce que j'ai commandé. J'ai déjà acheté un lot de deux sarouels, donc avec des petits imprimés et tout, parce que voilà, j'estime que Léo il est à l'aise là-dedans, il peut bouger, surtout qu'il commence le 4 pattes et tout, donc voilà, il est plutôt bien. Ils étaient à moins 30% le lot, ça faisait 10,50€. Un petit jog pant rayé, je l'ai payé 6,50€ et je l'ai pris en 9 mois. Un lot de 3 t-shirts, ça... enfin 3 t-shirts manches longues, ça sert toujours. 6€. Ensuite j'ai pris un ensemble de pièces, je crois qu'il était chez les filles. Mais franchement j'ai trop craqué, je le trouve trop beau. Avec des genres d'arc-en-ciel, de soleil, lever du soleil et tout, que j'ai trouvé trop mignon. Il était à moins 50, j'ai payé 8€. Un autre pantalon en molleton, donc en 12 mois, qui était à 5,20€. Hyper beau, dans les teintes que j'aime bien, blanc, vert de gris et tout, avec des petits points, j'adore. Alors ça c'est pour clairement l'été prochain, puisque je l'ai pris en taille 18 mois. Et c'est une salopette en gaz, j'aime trop le gaz pour les bébés, je trouve ça... trop bien comme matière, ça leur tient pas chaud, c'est léger et tout, enfin j'adore. Elle était à moins 50 et j'aime beaucoup la couleur gris comme ça foncé, donc du coup je l'ai eu à 10€. Pourquoi j'ai pris ça, me demandez pas, mais je me suis dit que c'était une super bonne affaire. Et Léo en fait je lui mets pas forcément de chaussures, mais parfois quand on sort pour lui tenir les chaussettes et tout, je lui mets quelques petites chaussures. Et je lui ai acheté donc des boots, des petites baskets en cuir. Elles étaient à moins 85%, je les ai eu à 6€ au lieu de 45. Je lui ai également pris un autre pantalon donc vert de gris, pareil, à moins 50, ça l'a fait à 6,50€. Et pour finir, un petit sweat avec une petite tête de d'hérisson, je suppose, qui était à moins 60%, donc je l'ai payé 6,40€. Voilà, c'est clairement tout ce que j'ai acheté pour le moment pour les soldes, ce qui est déjà pas mal, hein, mais j'avais besoin de pas mal de trucs pour Léo, parce que c'est vrai que j'ai fait un gros tri dans sa chambre, et bah, son armoire, elle est pas vide, hein, il a de quoi s'habiller, clairement. Mais on vient à manquer parfois si les lessives sont un peu en retard, donc je voulais faire un plein et surtout préparer pour cet hiver, parce que cet hiver je vais me dire j'ai besoin de ça ou ça, et au final ça sera les prix au taquet de chez taquet, donc je me suis dit autant les acheter maintenant, comme ça c'est fait et après réduit c'est encore mieux. Bon, du coup ce qui va me prendre un temps fou maintenant, c'est d'enlever toutes les étiquettes, de tout laver, de tout ranger. Je ferai ça cet après-midi si j'ai le temps. Je vais vous montrer, comme je vous avais dit, j'ai fait un sacré tri dans la chambre de Nounou. Donc voilà, hier pendant qu'il faisait un petit dodo, ça c'est tout ce que je dois mettre dans les cartons puisque c'est trop petit, donc autant vous dire
que mon cœur de maman se déchire puisque bah genre ça c'est ma mère qui lui avait acheté, c'est une petite combi de chez Gap. Il a pas mal porté, il était trop bien là-dedans, mais elle est trop petite maintenant et trop chaude surtout pour cet été. Voilà, il y a plein de trucs, ce petit ensemble H&M, enfin bref. Tout ça c'est trop petit maintenant et du coup ce qui nous a fait plein de place dans son placard. Puisque dans le placard de monsieur, voilà, en gros, c'est comme ça. Donc ici on a les pantalons, les t-shirts manches courtes, les pulls et derrière les hauts à manches longues, les shorts et ces petites chaussures qui sont là. J'ai également ces combis-là pour l'été, mais clairement ça fait pas lourd, vous voyez. Enfin, je suis pas du genre à abuser sur les vêtements, hein. Il a quelques petits trucs déjà pour l'hiver, donc qui sont juste ici. Ça c'est ma belle-sœur qui nous les a offerts. Là moi j'avais acheté 2-3 petits trucs chez Zara et des bodys, voilà. Mais après il n'y a pas grand-chose derrière, ce sont des draps housses et tout. Ces chaussettes, il faudra que je fasse un tri parce qu'il y en a clairement beaucoup qui ne lui vont plus, mais voilà. En gros, Léo, bah derrière, c'est même ses draps de bain en fait, ses capes de bain. Voilà, il a pas grand chose, donc je voulais vraiment refaire un petit plein parce que ça manquait. Voilà, donc au moins, une fois que tout sera lavé, je pourrai tout ranger. J'ai fait un bon tri et je suis plutôt contente. Sinon, pour ce qui est de ce matin, réveil un peu en fanfare, puisqu'on s'est réveillé, on est descendu pour prendre notre café. Puis je sais pas, je disais, mais ça sent mauvais dans la maison, c'est. Enfin, c'est bizarre, vous savez que je suis une grande maniaque et je me dis ça sent le pipi de cachot et tout. Alors, je m'étais dit que j'allais changer sa litière aujourd'hui, mais j'avais pas. Bon, voilà, je m'étais dit changement de litière demain, quoi. Et ce matin, je me lève, donc comme je vous dis avec Dadou, et puis je sais pas, je trouvais que ça sentait le pipi de chat. Et le pipi de chat, si vous avez un chat, ça sent très très fort, hein. Et bon, bref, je mets Léo sur son tapis, moi je vide le lave-vaisselle pendant que Dadou fait des cafés, enfin voilà, réveil tout à fait lambda. Et puis d'un coup, je dis non, mais ça sent. Et puis alors, moi, autant vous dire que mes parents m'ont pas fait avec un long nez pour rien, puisque j'ai vraiment de l'odorat surdéveloppé. Et je commence à renifler partout, un peu comme un petit chien. Et là, je me rends compte que, en fait, Cachou a pissé sur le tapis de Léo, le tapis de jeu, là où je venais de poser mon fils. Donc, genre. Ah, ça m'a mis, mais genre. En colère fois 1000. Après, je lui en veux pas parce que bah, c'est moi, je m'étais dit que j'allais changer sa litière aujourd'hui, chose que du coup j'ai faite direct, enfin, j'étais tellement vénère. Son tapis, je viens de l'acheter la semaine dernière sur Amazon, et le pipi de chat, vous avez beau laver, ça sent toujours. En plus, bah, c'était un truc à molleton, donc le petit matelas en mousse à l'intérieur était imbibé. Alors ça va. Entre guillemets, ça va, parce que en fait c'était 4 carrés et donc elle a fait sur un carré. J'ai pu enlever la mousse d'un des carrés, j'ai tout mis à laver. On va voir le reste, enfin celui où elle a fait pipi, bien évidemment, j'ai jeté et j'ai mis la housse, comme il est déhoussable, à laver. Là, elle est déjà en train de sécher, donc on va voir si ça sent encore. J'ai mis genre le programme super plus méga plus pour bien tout laver, bien tout désodoriser et tout. Mais j'avais tellement la rage parce que Léo, il passe un temps fou sur son tapis, il adore y jouer. Enfin voilà, nous on le laisse aller clairement comme bon lui semble dans la maison, mais on le met tout le temps sur son tapis puisque là il commence le quatre pattes et il a tendance à tomber en avant. Donc voilà, s'il veut sortir du tapis, il en sort, mais clairement il y passe quasiment tout son temps. Il adore avec les petites bouteilles sensorielles et tout. De toute façon, si vous me suivez dans les vlogs, vous voyez souvent que je vous dis, je suis en train de jouer sur le tapis de Léo, je lui ai fait ses petites bouteilles pour qu'il joue sur son tapis, etc. Bref, du coup, j'avais un seum monumental, voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je vais pas lui en vouloir. En plus, je sais même pas quand est-ce qu'elle l'a fait, elle a dû le faire dans la nuit. Donc je vais pas la punir maintenant, alors qu'elle va même pas comprendre. Et puis en plus, bah, en soi, bon, sa litière était pas ce qu'il y a de plus sale, hein. Clairement, Cachou tient de sa mère, c'est un chat maniaque. Et clairement, quand il y a un petit pipi ou un caca dans sa litière, elle miaule des heures pour y aller, parce qu'elle a l'impression que c'est méga sale. Bref, voilà, donc réveil un peu saoulé par ce truc là, surtout que ouais, la pisse de chat, ça sent fort. Ça fait déjà 2 fois que je lève par terre en bas parce que je me dis, je sais pas, soit j'ai l'odeur dans le nez, soit c'est moi qui psychote, soit je sais pas, mais il faut que ce soit propre. Enfin bref, là du coup il est midi passé, bon, Léo aura dormi 25 minutes. Génialissime, 25 minutes sur toute une matinée, ce n'est pas énorme, hein. Voilà, sachant qu'hier, hier c'était une journée compliquée, il a énormément eu de reflux, il a fait que des flaques et des flaques par terre, ça a été compliqué. Et du coup, il a bien dormi la journée parce qu'il était fatigué, mais dès qu'il était réveillé, il vomissait, il m'a fait tellement mal au cœur. Franchement, hier j'étais dépitée. En plus,
Je croulais sous le boulot, j'avais vraiment beaucoup de taf et je m'étais dit que pendant cette sieste je dormirais, mais en fait j'avais tellement de boulot que impossible parce que bah voilà, j'avais mal dormi la veille, toujours avec ses réveils et tout, enfin bon. Bref, c'est pas grave, aujourd'hui est un jour meilleur même si Cachou a pissé sur son tapis. Donc là, je vous disais, il est midi et demi, je vais partir déjeuner chez mes parents parce qu'ils viennent de rentrer de vacances. Et mon père repart ce week-end et tout, donc comme ça il pourra profiter de son petit-fils que vous entendez. Et du coup, je vais mettre l'appareil à charger pendant ce temps-là, je vous prendrai pas chez mes parents. Et puis je vous retrouve une fois que je suis rentrée à la maison. Oh, maman, elle a trop parlé, alors je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors je suis rentrée de chez mes parents et je me suis mise sur mon lit pendant que Léo fait dodo, puisque ciseaux en main, je vais couper toutes les étiquettes, enlever les cintres et tout des vêtements que je lui ai achetés. Comme ça, je vais pouvoir tout mettre à laver et surtout débarrasser tout ça parce qu'il y en a partout. Et c'est vrai qu'il y a toujours 36 milliards d'étiquettes sur les vêtements qu'on achète. Ça me dépasse à chaque fois, je vous en parle tout le temps sur Insta. Je trouve que c'est toujours trop. Donc voilà, je vais encore en avoir pour un quart d'heure à faire ça tellement qu'il y en a, c'est sûr. Bon bah voilà, c'est ce que je vous dis à chaque fois, regardez tout ce qu'on jette, franchement ça me dépasse, enfin moi ça je trouve ça toujours, à chaque fois je vous le dis mais, enfin sérieux quoi, il y en a de trop, il y a trop d'étiquettes, regardez-moi ça quoi. Bon bah du coup on a un petit abricot qui est réveillé, et voici la fautive de ce matin, madame, oui hein, c'est à cause de vous que votre petit frère joue sur des plaids, ouais lui il se marre, il est gentil hein. Alors, je voulais également vous montrer, mes parents ont ramené ça de leurs vacances, ils ont acheté ça pardon, chez Sergent Major pour l'abricot, devinez, hein, maintenant il n'y en a que pour lui. C'est une petite cape peignoir de bain, trop chou, avec des, enfin à rayures, avec des petites pattes de lion, et sur la capuche, regardez-moi cette mignonnerie, une petite tête de lion, j'aime trop, c'est trop mignon, c'est tout en éponge et tout, donc nickel pour la sortie du bain, puis là vous avez un petit lion, et le détail qui tue, hein, que j'ai vu, Sergent Major, genre bravo, c'est qu'il y a même des petites pattes de lion dans les tout petits boutons, trop cool, donc voilà, mamie et pépé ont gâté l'abricote, moi je vous le dis. Bon bah voilà, le tapis est remis en place. Alors du coup dans le carré où Cachou avait fait pipi là, donc c'était le marron, j'ai mis à l'intérieur un genre de plaid assez fin, mais bon c'est pas très droit comme les autres hein. Les autres c'est vraiment des carrés de mousse pile poil à la bonne taille, mais celui où Cachou a fait pipi, bah, bien évidemment je l'ai jeté hein, parce que laver de la mousse c'est un peu compliqué. Là j'ai reniflé encore et encore, ça ne sent plus, donc je suis contente. Mais du coup à l'intérieur, plutôt que d'enlever ce carré là, j'ai mis un petit plaid qu'on n'utilise pas forcément. Voilà, comme ça au moins Léo il pourra vraiment avoir son grand tapis pour jouer. Et voilà, donc ça c'est fait. Maintenant je vais mettre tout le linge que j'ai acheté à laver. C'est parti zou. Bon voilà, la première fournée de linge est étendue. Comme ça je vais pouvoir le ranger dans son placard. Un autre truc aussi dont je vous avais pas parlé, je sais pas ce que ça fout là. Voilà, ça doit être au centre. C'est cette chaise haute de Nounou. Voilà, la chaise haute qu'il va avoir. Donc, il va y avoir un petit coussin. Je le reçois demain. Je l'ai commandé sur Amazon. C'est une vieille, très vieille chaise dénichée en brocante que du coup, dont mon père s'est occupé à poncer, à revernir et tout. Je voulais vraiment une vieille chaise pour que, parce que je trouve ça plus joli que les chaises actuelles par rapport à voilà, la déco intérieure qu'on a et tout. Et du coup, elle est magnifique. Et j'ai pris un petit siège, vous savez, un petit coussin à l'intérieur pour pas qu'il ait mal au popotin quand même. Beige, voilà, taupe, je crois exactement. Et dès qu'on va le recevoir, Nounou va pouvoir aller dedans pour manger ce grand asticot vu que monsieur tient assis, ça y est. Donc, trop cool. Voilà la petite nouvelle du salon. Bon alors je vous reprends, attendez je vous pose parce que sinon je vais encore avoir mal au bras au bout de 2 secondes. Hop, voilà, sur le radiateur de mon fils, enfin de la chambre de mon fils. Je vous reprends, donc il est 19h passé, Dadou vient de rentrer, je vous ai laissé, je sais même plus quand, je crois quand je venais d'étendre le linge. Waouh. Entre temps, l'une de mes meilleures amies est passée avec sa maman puisqu'elle repart lundi à Barcelone, c'est une amie à moi qui est...
qui est partie vivre là-bas pour le boulot. Bref, du coup, on a passé un petit moment ensemble. Et puis voilà. Et puis, bah là, elles viennent de partir et Dadou vient de rentrer. Donc, ça s'est enchaîné. Juste entre-temps, je vous ai fait quelques stories Instagram parce que je vous demande en fait vos expériences. Si vous avez eu des bébés reflux, des bébés avec un RGO, donc ce dont souffre Léo, puisque depuis 2-3 jours, c'est genre des flaques et des flaques et des flaques toute la journée. C'est hyper compliqué, il a même plus de voix, ça lui a brûlé les cordes vocales. Enfin voilà, c'est un peu compliqué à gérer. Bien que c'est un bébé cœur d'amour de beurre que j'aime trop parce qu'il se plaint pas et tout. Il vomit et il dit rien, petit père, enfin, alors qu'on voit bien que ça lui fait mal. Et donc là, on avait divisé la dose d'Inexium par deux suite à notre dernière visite chez le pédiatre. Mais je crois que finalement, on va devoir réaugmenter. Je vous avoue que je suis un peu perplexe, je sais plus trop quoi faire parce que franchement, là, c'est reparti. Mais genre, je crois que ça n'a jamais été autant. Donc bon, voilà, ça me brise le cœur de voir mon fils comme ça. C'est très compliqué à gérer. Je peux jamais le laisser une minute de peur qu'il fasse une fausse route, de peur qu'il vomisse partout, enfin voilà, et c'est pas chouette, et on voit bien que ça le gêne la nuit, n'en parlons pas, il se réveille toutes les demi-heures, trois quarts d'heure limite, donc c'est clairement compliqué à gérer. Du coup, j'avais besoin de vous demander vos expériences. Vous savez, Dame Cachou qui vient d'arriver, la coupable de ce matin, pour échanger avec vous et pour être sûre, pour vous demander votre expérience et savoir quelles ont été vos solutions. Peut-être que je n'avais pas les bonnes, peut-être que vous avez des trucs et astuces que j'ai pas encore testés, et surtout vous parlez aussi du fait que le reflux est dû en fait à un, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu plein d'articles dessus, à un problème de clapet au niveau de l'estomac qui fait la jonction en fait entre l'œsophage et l'estomac, qui se referme mal, et j'ai lu qu'au bout d'un moment, sur les bébés reflux avec un très fort reflux comme Léo, on en vient parfois à une opération, et clairement ça m'angoisse. Enfin, j'ai du mal à parler sans émotion là-dessus parce que bah forcément, hein, mon petit bout, ça me fait chier de me dire qu'il a ça et que peut-être on en viendra là un jour. Donc je préfère pas y penser parce que c'est pas au programme et que voilà. Mais du coup, je voulais vous demander vos expériences et vos retours par rapport à ça. Donc voilà, bref, on va changer de sujet parce que c'est pas le sujet très très gai, et clairement ça fait chier, ça fait mal au cœur, ça en plus c'est un vrai bébé sourire, je vous jure, pour en avoir gardé des enfants, enfin c'est pas parce que c'est mon fils, c'est vrai, mais enfin si, peut-être aussi, mais c'est un vrai bébé sourire, il a tout le temps le sourire, il va dans les bras de tout le monde, il est hypertonique, mais c'est génial parce que du coup il est avide de tout découvrir et tout, donc c'est génial, et il a toujours ce reflux qui vient le faire chier, et clairement ça c'est relou. Donc oui, je sais que dès que il sera beaucoup plus qu'il sera bipède, en gros qu'il marchera, qu'il se tiendra plus longtemps assis, que tout ça ira mieux, mais en attendant moi je le vois souffrir et c'est compliqué. Bref, du coup je vais vous abandonner là pour ce petit vlog, puisque on va passer la soirée tranquille. Là il vient de se réveiller d'un petit sieste tout de 20 minutes. Wouhou, 20 minutes de sieste, c'est énorme pour un bébé de 7 mois. Ouais, c'est la fin du vlog, donc comme d'hab je bug, hein, vous connaissez. Voilà, bah du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous dis à très vite dans un prochain, et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.